Bonjour mes amis, salam alaikum kidarin hababi, I love you, bonjour l'Europe, la Belgique, l'Espagne, le Maroc, la France de mon enfance. Allez, je vous emmène aujourd'hui vous montrer ce que je mange pour essayer de perdre 4 kilos. Et pour commencer, un bon petit déjeuner bien français, bien banlieusard, bien parisien. Donc vous voyez le croissant. Si on n'a pas goûté le croissant parisien français, bien français, c'est pas possible. Moi, je pense qu'il faut un jour, même si vous êtes à l'étranger, venir en France juste pour goûter la baguette française et le croissant français. C'est l'un des meilleurs au monde. Donc voilà, j'ai décidé de faire un bon petit déjeuner bien équilibré. Donc vous avez vu, un croissant. C'est mon seul pain de la journée. Je ne mange pas de pain à midi, rien. Je vais manger juste ce croissant de la journée. Un fromage blanc. Un jus de citron pamplemousse orange. Avec juste un demi-citron parce que sinon après, c'est terrible. Mon bon café. Moi, j'aime bien le carte noir. J'ai rajouté des fraises bio. Mon super café. Voilà les fraises bio de la ferme de Spahy. Le perle de lait nature. Mon jus orange, demi-citron, pamplemousse. Voilà. Je prends aussi l'Anaka 3 plus que c'est le début. Alors, je ne peux pas vous dire si ça marche ou pas. Le Mac 2 parce que je fais régulièrement une cure de magnésium B6. C'est très important, les filles, de faire du magnésium B6. 3 cures par an, c'est important. Je prends de la vitamine C. Et je prends de la vitamine D parce que vraiment pour lutter contre tout ce qui traîne, ces virus-là, c'est important de prendre des vitamines. Et pour un baisse de... quand on se sent pas bien, tout ça. Coucou mes amis, comment allez-vous? Salam alaikum, hababi. Donc je vous présente mon repas qui, entre parenthèses, équilibré. Parce que ça y est, je me suis mis au régime. Alors je vous présente des crevettes bien françaises. Du poissonnier Delpierre. J'adore leurs crevettes. Alors ça, c'est du poivron grillé à l'huile de tournesol. C'est déjà tout prêt pour les fainéants comme moi. Les fainéants qui n'ont pas envie de griller les poivrons parce qu'il faut les faire griller sur le feu. Moi, je n'ai pas le temps, j'aime pas ça. Donc, j'achète à Auchan, c'est déjà tout prêt. Vous voyez, c'est une bonne sauce. Donc là, je fais une salade méchouïa, une salade de la cuisine marocaine. C'est ma salade préférée. Donc, je vous ai montré les ingrédients. Un oignon rouge, 3 ou 4 tomates, ça dépend. Voilà, de la coriandre. C'est tout, voilà. Donc, poivron. Poivron toutes les couleurs, comme tu veux. Coriandre et oignon rouge. Assaisonné bien sûr à l'huile d'olive, poivre tout simplement, l'huile d'olive, poivre. Et moi je rajoute du vinaigre marocain qui s'appelle le vinaigre Samia, produit pur marocain. Après toi tu peux mettre le vinaigre que tu peux. Donc j'ai pas dit que ce régime que je fais était un régime qui faisait maigrir, mais pour moi ça m'évite de manger n'importe quoi. Donc on est le 19 mai. Le jour du déconfinement, allez hop, je rééquilibre mon repas. Voilà, ça, je vous présente le vinaigre marocain Samia que vous pouvez trouver chez l'Arabe du coin ou dans les grandes surfaces, dans le rayon exotique. Moi, j'aime bien, mais après, je te dis, tu peux mettre le vinaigre que tu veux. L'huile d'olive, hein, purement marocaine, qui m'a été offerte. Elle vient d'Espagne, celle-ci. Voilà, donc je commence à faire un rééquilibrage. Le jour du déconfinement, je suis très motivée. J'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller au restaurant, j'ai envie d'aller en vacances. Bien sûr, je ne vous dis pas où, vous savez déjà. Voilà. Alors, je vais arrêter le sucre. Donc, ça, c'est un plateau équilibré. Des protéines, c'est des crevettes. La pomme, c'est le dessert, c'est un coupe-faim. Un ail et fines herbes, quand même, il faut se faire plaisir. Hein. Et puis, mon fameux perle de lait, nature, bien sûr. Voilà, donc c'est un régime équilibré. Donc, je vais essayer de faire ça quelques jours. Hein.
Il est censé faire beau, mais il fait pas beau. On est au mois de mai 2021, il pleut tous les jours. C'est un cauchemar. Donc voilà, si cette recette vous plaît, vous pouvez la faire, elle est très facile. Ça s'appelle la salade meshouya. Azurflaun tassa. Maniket gama et zinit et togadir et tefraut et kaza. I love you. Algérie, Tunisie, Maroc. I love you. La France, la Belgique, la Belgique, la Belgique. J'ai beaucoup de gens qui me suivent de la Belgique. Je vous aime, je vous love. L'Allemagne, l'Espagne. Et la France de mon enfance. Bisous, bisous, I love you. Donc, repas équilibré, bien sûr, avec les compléments alimentaires, de la vitamine D, parce que vous savez que la vitamine D, comme il pleut, il pleut, il pleut, c'est important d'en prendre, sinon, on va se retrouver à choper n'importe quelle maladie. Vous savez que d'ailleurs, les maladies là, de cette... Désolée, il y a eu un bug. La vitamine D, c'est une vitamine qui lutte contre tous les virus du moment.